Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Dis quelque chose et arrête d'agir bizarrement. Tu me fais déjà flipper. Dis quelque chose. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parle-moi. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Chi? Chi? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te dérange? Hein? Grande sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, qu'est-ce que tu as? Hein? Mais qu'est-ce que c'est encore? Hein? Shuma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme une sorcière à cette heure de la nuit? Ah, mais qui es-tu réellement? Pourquoi ne cherches-tu pas à comprendre ce qui lui arrive au lieu de hurler? Mais perturbe, mon sommeil. Ferme ta bouche, sinon je vais le faire pour toi. Tu ne te préoccupes même pas de ta sœur, tu la traites de sorcière. C'est toi le sorcier, n'importe quoi. Regarde-moi. C'est bon, maman, ça va, ce n'est rien. Tu sais, retourne te coucher. Hein? Comment peux-tu me demander de retourner me coucher? Dis-moi ce qui te dérange. Pourquoi as-tu crié? Maman, ce n'est rien. Je suis désolée, d'accord? S'il te plaît, retourne te coucher. Vas-y, couche-toi, d'accord? Chi, c'est juste que je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Tu m'entends? Mm-hmm. D'accord, maman. Ok, très bien alors. Je veux que tu te recouches avant moi. Mais c'est quoi cette vie? Hein? Mais c'est quel genre de vie? Je n'ai rien à manger et je n'ai rien dans mes poches. Ce genre de famille à laquelle j'appartiens, je ne comprends rien. Depuis que mon père est mort, on passe d'une misère à une autre. Frère paralysé et mère aveugle. Rien ne tient. Si je vais à la maison demander à manger, c'est sûr qu'il n'y aurait rien là-bas. C'est ça le pire. Honnêtement, quelque chose doit entrer dans ce ventre. Il faut que je mange un truc. Je dois faire quelque chose. Ah, je m'en fous. Ah, je dois faire quelque chose. Shoma? Non, c'est Asuka. Shoma? Shoma? Ah, il n'y a personne. Je pensais qu'il y avait quelqu'un.
J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Chioma. Ah, Azuka. Maman, pourquoi partages-tu ton repas avec Azuka alors qu'il a déjà pris le sien? Je... Partager? Comment? Je suis la seule à manger cette nourriture. Azuka, donc tu profites de la cécité de notre mère, hein? Timo, comment peux-tu manger son repas? Hein? Tu sais bien qu'il n'y a plus de nourriture dans cette maison. Pourquoi manges-tu sa nourriture? Honte à toi. Attendez. Azuka, manger dans mon plat? Oui, maman. Hey! Espèce de voleur. Voleur. Chioma, as-tu mis la viande dans cette sauce? Oui, maman. La combien? Voilà. Une seule? Je ne vous comprends même plus. Donc, manger la nourriture de sa propre mère est ton problème? Tu es un voleur. Voleur. Tu n'es qu'un pauvre voleur. Un malfrat. Tu viens ici et tu voles. Tu voles ma sauce. Écoute, mets encore ta main ici, je vois. Dieu te punira. Hey! Voleur. Hey! Il vient voler ma nourriture. Tu verras, Dieu te punira. Viens encore mettre tes mains ici et tu comprendras. Maman, s'il te plaît, tu vas te débrouiller avec ceci, hein? Débrouille-toi avec ça, s'il te plaît. Oh, Chioma. Oui, maman. Tu es allée faire une autre nourriture. Je t'ai dit de ne pas te déranger. Pourquoi es-tu allée faire un autre repas? Maman, écoute, il y avait encore un peu de sauce et de couscous dans la marmite, dont je l'ai réchauffé pour toi. Je ne peux pas te laisser affamée. Chioma, je suis ta mère, hein? Je peux toujours supporter. Tu n'aurais pas dû te déranger. Iras-tu encore marcher aujourd'hui? Oui, maman. Quand tu iras au marché, avant d'arriver au marché, le Dieu Tout-Puissant, mon Dieu dans le ciel, fera en sorte que tout le monde dans ce marché achète tout. Amen. Amen. Et Amen. Pendant que tu seras en chemin, ils chercheront quelqu'un qui vend de l'eau. Lorsque tu seras là, ils vont tout acheter et tu reviendras pour en prendre plus. Amen, maman. Amen. Comme j'ai prié, c'est comme ça que ça se passera. Leurs gorges sont déjà sèches, donc mets-toi déjà en route. Ok, maman, je vais chercher Obina. Merci, oh. Leurs gorges seront sèches aujourd'hui. Comme je mange cette nourriture, ma gorge se sent très bien. Hein? Comme tu aimes faire du bien à ta mère. Dieu, que le marché ait besoin d'eau aujourd'hui. Que leurs gorges soient sèches, vraiment sèches, et qu'ils achètent tout. Chi? Maman, je m'en vais. Tu as entendu ma prière, hein? Oui, maman. Avant d'arriver, leurs gorges seront sèches. Tu ne mettras pas long, tu reviendras. Ok, maman. Tu as compris, ma fille? Ok, bye. Bye-bye. Maman? Obina. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, oh. Bye-bye, maman. Merci, oh. Que leurs gorges soient sèches. Qu'ils achètent tout. Hey, mon enfant. Bonjour.
Salut, bienvenue. Que voulez-vous? Je voudrais du pain, s'il vous plaît. Combien? Un pour 4 naira. D'accord. Vous ne voulez pas acheter du lait? Ça ira, non, non, merci. Poursuivez-la. Dieu, mon Seigneur, ramène-la en toute sécurité, je t'en prie. Ramène-la en toute sécurité. Oh Dieu, je t'en supplie. Maman, j'aimerais pouvoir marcher. Je serais allée la ramener. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu vois, le Dieu des aveugles, le Dieu des orphelins, ramènera ta sœur à la maison saine et sauve. Oh, elle viendra. Maman, hein? Elle est là. Bienvenue. Tioma. Chi, pourquoi as-tu fait ça, hein? Pourquoi as-tu laissé ta mère si inquiète? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'en ai assez d'Azuka dans cette maison. Hein? Ai-je commis un crime d'être sa sœur? Regarde-moi, maman. Chi, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, ma fille. Que s'est-il passé? Maman, Azuka a volé une femme au marché. Ils l'ont poursuivi, mais il s'est échappé. Quand ils m'ont vu en route, ils ont commencé à dire qu'Azuka m'a donné cet argent Timo pour acheter quelque chose avec. Maman, ils ont commencé à me harceler. S'il n'y avait pas eu cette femme, ils m'auraient battu à mort, et voire même pire. Hey! Azuka. Donc, Azuka est arrivée jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas possible. Hey! Dieu punira ce garçon. Maman. Dieu qui est au ciel va punir ce garçon. Un garçon. Regarde-toi, Azuka. Regarde comment t'as l'air stupide. T'es censé être celui qui me protège et me garde. Mais tu causes plus de douleur et de chagrin que ce que nous avons déjà. Aïe! Il est là? Oui, maman. Dieu le punira. Garçon inutile, Dieu te punira. Regardez-moi cette fille. Regardez qui parle. Te protéger? Mais comment? Que veux-tu dire par protéger? Est-ce que je ressemble à ton père? Azuka, Dieu te punira. Est-ce que tu m'entends? Mon Dieu te punira. Donc tu as encore le courage de parler ainsi à ta sœur après ce que tu lui as fait subir. Mon Dieu te punira. Garçon inutile, voleur, espèce de brigand. Maman, Azuka a dû utiliser cet argent pour fumer, je suis sûr. Hein? Fumer? Un fumeur de chanvre dans cette maison? Oh, oh, Azuka, maintenant tu apportes le chanvre dans la maison pour pouvoir fumer. Un tonnerre qui n'a pas de nom tombera sur toi. Écoute bien ce que je dis, tu mourras. Méchant fou, méchant idiot, stupide, voleur. Oh,
Le Dieu Tout-Puissant te punira. Maman, c'est ton fils que tu me dis comme ça. Et si je mourrais? Fou le camp, n'est-il pas mieux que tu meurs? S'il te plaît, j'ai pas besoin de ça. Tais-toi, va-t'en d'ici. Où est-il? Dieu te punira. Dieu te punira. Maman, ça va. Fils indigne, je vais te... Maman, ça va, il est parti. Il est parti. Qu'il revienne, je vais lui montrer que je suis sa mère. Maman? Hein? Hein? Maman, quelque chose me tracasse. Et j'aimerais t'en parler. Dis-moi, dis-moi. Maman, j'ai regardé notre situation dans cette maison. Et si nous continuons comme ça, rien ne s'arrangera. Rien ne changera. Alors... j'ai décidé de chercher du travail. Au moins, ce qui me fera gagner plus d'argent. C'est une bonne idée. Celle-là est bonne. Tim, ce n'est pas le bon moment. Tu es encore très jeune pour commencer à chercher du travail et pour travailler pour quelqu'un. Thomas, non. Ce n'est pas bien. S'il te plaît. Maman. Hein? Maman, je peux le faire. Je peux trouver un travail, au moins pour nous sortir de cette situation. Si je ne pouvais pas le faire, je ne t'en parlerai pas. Je peux le faire, maman. Ma fille... écoute, mon Dieu te bénira toujours. Oui, maman. Et le Dieu qui t'a donné la grâce et cette force pour être l'aide, oui, le soutien de cette famille depuis que ton père est décédé. Et moi, je suis devenue aveugle. Nous n'avons jamais manqué de rien. Parce que tu as toujours été là pour nous. Honnêtement, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et si quelque chose devait arriver, mon cœur ne le supporterait pas. Oh, maman, pardon, pardon. Maman, ça va, t'inquiète pas. Le Dieu qui m'a gardée pendant tous ces allées et retours chaque jour continuera à me garder pendant ce moment. Ne t'inquiète pas, maman. Oh, mon Dieu te bénira. Amen. Mon Dieu te bénira. Thomas, ma fille. Ok. Thank you.
Shioma, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé, t'as pas répondu, t'es sourde? Je t'ai vu sortir du bureau de Maxwell. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas? À quelle question veux-tu que je réponde? Hein? S'il te plaît, laisse-moi juste tranquille. Je t'ai entendu, mais je voulais pas répondre parce que je voulais pas des ennuis avec toi. Shioma, tu ferais mieux de me répondre maintenant. Je te pose une question et tu veux pas répondre? Shioma, tu ferais mieux de te mettre à table. Arrête tes bêtises, cet homme fait des choses louches et bizarres aux gens qui partent de travailler chez lui. Dis-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là-bas me regarde pas toi. Quand tu commençais à t'en soucier, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur. Shioma. Non, ce n'est pas vrai. Hein? Oh, Obina, je sais ce qu'elle t'a raconté. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai entendu dire à maman que cet homme fait dans le trafic des enfants. Quoi? Hey! Quoi? Ma propre sœur? Trafic d'hommes? Hey! Ce que je vais faire à cet homme aujourd'hui? Dis-moi! Et tu ne veux pas me dire? Hey! Obina, que lui a-t-il dit? Je lui ai dit que cet homme fait dans le trafic des enfants. Obina, comment as-tu pu lui dire une chose pareille? Tu sais que notre frère se comporte comme un malade. Regarde comment il crie comme un fou. Qui sait ce qu'il fera là-bas? Ça va. Viens, allons à l'intérieur. Oui, oui, j'arrive, je serai là. Toi! Maxwell! Maxwell! Qu'est-ce que j'ai fait? Donc tu crois que tu peux faire tes bêtises avec tout le monde qui vient dans ton bureau? Ne sais-tu pas que tu vois, ma sœur? Regarde, jeune homme. Je vais chercher ma voiture chez le mécanicien, je n'ai pas le temps pour cette bêtise. Est-ce que tu me comprends? C'est à moi que tu parles de la sorte? Tu me dis que tu vas chercher ta voiture chez le mécanicien? C'est quoi ton problème? Maxwell! Ma propre sœur! Tioma! Maxwell! Toi! Toi! Regarde, je n'ai pas le temps de... Ah! Messieurs! Messieurs! Ah! Messieurs! Messieurs! Tu es malade! Ah! Que Dieu te punisse! Ah! Messieurs! Ma sœur! Arrête! Je ne vois plus rien! Qui est là? Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai besoin d'aide! Ah! À l'aide! Arrête, Asuka! Messieurs! Arrête! L'affaire! Arrête! Monsieur! Je ne vois plus rien! Ah! Arrête! Arrête! Ah! Ah! Je ne vois plus rien! Monsieur! Tu vas te punir! Ah! Je ne vois plus rien! Qui est là? J'ai besoin d'aide! Dérange. Hein? Tu aurais dû attendre que je rentre, hein? T'inquiète pas. Désolée, hein? Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi as-tu cette mine? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a battu? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un homme est venu ici avec la police. Il a dit qu'il voulait arrêter Asuka pour l'avoir agressée et battue. Jésus, où est maman? Maman est dans sa chambre. Je leur ai dit qu'il n'y avait personne d'autre à la maison. Ah, c'est bien. Tu as fait une bonne chose. Laisse-moi te ramener à l'intérieur. Hein?
Azuka. Azuka. Attends, ne me dis pas que tu es allé battre Monsieur Maxwell. Au point de devoir le voler. T'ai-je demandé de me venger? Cette fille. Premièrement, fais attention à ta façon de me parler. T'as compris? Je ne suis pas ton égal. Et d'ailleurs, personne s'amuse avec mon unique sœur dans ce village et son tir. Ce n'est pas possible. Je n'ai peut-être pas le bon sens comme vous le croyez. Mais pas à ce point. Tu vois, tout ce que j'ai voulu à cet homme, chaussures, montres, bijoux, tout, j'ai vendu tout le reste. Mais tu vois ça? Tu vois, cette montre que je porte, c'est la seule chose que j'ai gardée. Mais félicitations, parce que la police est à tes trousses. Dieu merci, ils n'ont amené personne à cause de ton style de vie déplorable. Attends. Tu as parlé à la police? Non, j'ai dit FBI. Si tu sais ce qui est bien pour toi, retourne tout ce que t'as pris chez cet homme et demande-lui tes excuses. Jamais je ne le ferai. Où est ta mère? Oh. Bonjour, Bayer. Garde ton bonjour. Où est ta mère? Elle ose me dire bonjour. Elle se sent pas très bien, donc elle se repose à l'intérieur. Oh. Ta mère ne se sent pas très bien, donc elle se repose. Est-ce que vous savez que ça va bientôt faire un an que vous ne m'avez pas du tout payé cette maison? Est-ce que vous avez même constaté que vous n'avez pas payé cette maison? Ça va bientôt faire un an. Non. Et ta mère est à l'intérieur en train de se reposer. Dites-moi, comment est-ce que vous allez payer cet argent? Ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas à l'esprit. Oh. Vous l'aviez sur la tête? Ce n'est pas dans votre esprit. C'est juste que la situation a changé. Et cette situation a aussi changé mon argent. Ne vous la en faites. La situation actuelle a changé mon argent. Nous allons vous payer. Hein? Nous allons le faire. Oh, vous attendez que je meure avant de payer cet argent, c'est ça? Regarde mon autre bâtiment, c'est encore en pleine construction. Je n'ai même pas un sous-pôt construit. Vous avez mon argent et vous ne me remboursez pas depuis plus d'un an. Est-ce que c'est bien? Plusieurs personnes sont venues me voir pour cette maison. Mais à cause de vous, je ne peux même pas la mettre en location. Et vous ne voulez même pas payer. C'est mieux de partir, je pense. Monsieur le bailleur, si vous nous mettez hors de cette maison, nous serons dans la rue. Hein? Ne vous en faites pas. Nous ferons de notre mieux pour vous payer cet argent. S'il vous plaît. Avant cette situation, étiez-vous d'abord dans la rue? Hein? Maintenant, vous faites de votre mieux. En vendant de l'eau pure. Hein? Donc, tu comptes payer le loyer avec cette eau pure que tu vends? Monsieur le bailleur... Non, tu n'es pas sérieuse. Monsieur, aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vous en prie, ne nous jetez pas dehors. Aidez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous, ne nous mettez pas dehors. Ça va bientôt faire un an que tu dis ça. Est-ce pour ça que tu es encore dans cet état? Il faut dire la vérité, comme ça tu pourras marcher. N'importe quoi. Ok, très bien. Je viens juste de renvoyer l'une de mes domestiques. Parce qu'elle était dans les capacités de bien prendre soin de ma maison. Je te conseillerais de dire à ton frère Azuka que s'il se sent capable, alors... Il pourra travailler pendant que vous restez ici, c'est tout. Ah, merci beaucoup, monsieur le bailleur, merci. Je peux merci. Le faire. Oui. Non, je ne voulais pas dire toi. Hein? Moi, je veux quelqu'un de fort et de très robuste. Je suis plus que capable. S'il vous plaît, laissez Azuka en dehors de ça. Oui. Tu es plus forte? Oui. Et tu es robuste? Oui. Et tu peux travailler sous pression? Oui. Hein? Pourquoi est-ce qu'il frétille? Il est content. Hein? Oui. Merci, monsieur. Merci. Ne me remercie pas encore. Laisse-moi réfléchir sur un truc. Ok. Dans ce cas, il faut venir demain pour commencer le travail. Merci beaucoup, monsieur le bailleur. Merci. Merci encore. Merci, monsieur.
Ah, Obina, tu veux te faire mal? Allez, tiens-toi. Lève-toi, assieds-toi. Ok, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Chiama. Chiama, c'est la première fois que je te vois sortir à cette heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, quand tu verras mon idiot de frère, demande-lui. Il a mangé toute la nourriture que j'avais réservée pour maman. Donc j'ai dû cuisiner encore avant de sortir de la maison. Désolée, tu es sérieuse? Comment trouves-tu ça drôle? Chiama, calme-toi, écoute, okay, calme-toi. Ça va. Je suis sûre que tu connais très bien ton frère. Eh bien, je sais que ce n'était pas pour nuire. Il est juste lui-même. Lui-même? Je sais que t'es son ami, donc tu vas toujours le défendre. Quand tu le verras, conseille-le. Si ce n'est pour personne, au moins pour son avenir. D'ailleurs, où vas-tu? Ce n'est pas le chemin du marché. Oh, je suis fatiguée. Je vais aller me reposer. Je ne vais pas me suicider parce que je cherche qui va m'acheter des arachides. Je dois aller me reposer. Ah, je ne veux pas mourir. Je vais arrêter ça. Pourquoi es-tu toujours aussi paresseuse, Ebere? Le jour que tu seras sérieuse, peut-être tu auras plus de bénéfices. Bye. Oui, c'est ça. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Si ma famille a besoin d'argent, ils n'ont qu'à aller au diable. Je dois aller me reposer. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Thank you.
Comment vous allez? Très bien. Je vous ai vu. Bayer. 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 Combien de fois est-ce que je vous ai appelé? 3 fois. Pour vous dire que je ne suis pas fier de vous. Je ne suis pas fier de vous parce que vous êtes un homme méchant. Oui, vous. Donc vous avez transformé ma sœur en servante à cause de cette maison minable. Cette chose, ce machin que vous avez là-bas, vous osez faire de ma sœur une servante. Toi, cet homme, t'es très méchant, mais t'en fais pas. Moi, Asuka, je vais rayonner dans ce village. Je vais briller. Dieu ne m'abandonnera pas. Ha. Ha. Et les gens comme toi auront affaire à moi. Quelqu'un parle, mais ne dit rien de bon. Vous êtes un homme méchant. Hey, j'aurais tout vu dans ma vie. Non, sérieux, j'ai jamais vu ça. Je vais garder mon calme. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Toi, tu n'es qu'un vaurien. Parce que, en fait, à chaque fois que moi je te vois, rien de bon ne vient de toi. Oui. Si on était encore à l'époque où on vendait les esclaves, je t'aurais vendu comme un esclave. Mais Dieu merci que je te connaissais pas encore. Regarde-toi. Tes égaux ne sont-ils pas en ville? Ces gars, Dimoni, ne sont-ils pas tes égaux? Oh. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi aller faire comme eux? Va te débrouiller. Oh. Va te chercher.
Si tu veux exploser comme le feu, alors vas-y, tu peux exploser, explose. Oh, vous parlez d'Imoni et de la ville? Oui. Vous me parlez d'Imoni. D'un côté n'es-tu pas votre égal? Hein? D'un côté n'es-tu pas votre égal qui construit des maisons et les donne aux gens? Est-ce que tu sais que si je n'achetais pas ce ciment pour construire ma maison, d'un côté ne serait pas un homme riche? Quel ciment vous avez acheté? La maison que votre arrière-grand-père vous a légué? C'est pour cela que votre arrière-grand-père vous a tout légué. Vous n'avez rien là où vous êtes là. Quand je te regarde, mon petit, je vois que tu seras dans le futur un grand braqueur. C'est ce que je vois en toi. Commence à chercher ce que tu vas faire. Tout ce que tu sais faire pour le moment, c'est te pavaner partout et fumer de l'herbe. Fumer le champ. Vous avez fini. Rien d'autre. Dites-moi, vous avez pas fini ça, petit fumeur? Pas encore. C'est pas fini depuis. Tu prends les grands airs, les airs du dangereux. Vous, bailleur, laissez-moi vous dire un truc. J'ai du temps pour être quelqu'un demain. Mais pour vous, c'est terminé. Vous avez eu cette maison hideuse toute votre vie. Et vous avez le courage de raconter les sottises. Mais vous avez la chance que j'ai pas le temps de m'occuper de votre cas. Vous n'aurez pas vu venir le coup de tête. Allez, foutez le camp. Pour rien. Hey, vraiment, ce n'est pas vrai ça. Cet endroit marécagé, qui est infesté de moustiques. Foutez le camp. Es-tu véritablement le fils de ta mère? Allez vous faire foutre. C'est pas de ta faute. N'importe quoi. Petit idiot. Espèce de petit villageois. Animal. Futur braqueur, tu ne vas jamais réussir dans cette vie. Ah. Pourquoi est-ce que je te vois toujours? Ah. Et où va-t-elle maintenant? À cause de toi. Mais, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu boites? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que ça te regarde? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas tes ennuis. Attends d'abord. Mais où est-ce que tu vas? T'as fini de laver la maison de cet homme. Maintenant, tu marches comme une vieille femme. N'as-tu pas honte de toi? T'es allé laver la maison d'un homme qui veut nous chasser de sa maison. Mais n'as-tu pas honte? Est-ce que t'as pas honte? Regarde-toi maintenant, tu t'es transformée en servante. J'imagine que tu n'as aucune idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Je n'aurais pas honte de nettoyer sa maison si c'est la seule chose qui nous permet encore d'avoir un toit sur nos têtes. Que je sois servante ou autre chose, au moins c'est 1000 fois mieux que de voir ma famille dans la rue. Merci pour tes injures, grand frère. Je suis déjà habituée à ça. T'es habitué à ça. Regarde comme tu marches. T'es allé nettoyer sa maison. Je suis de plus en plus troublé, mais c'est quoi cette vie? Obi, il n'y a rien dans cette maison. Nous allons attendre qu'Azuka rentre. Et voyons s'il a de l'argent. C'est-à-dire s'il en a, hein? D'accord, grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? À vous voir ici, je croyais que vous étiez au marché. Azuka, si t'as de l'argent sur toi, donne-nous simplement. Il n'y a rien à manger cette nuit. Mais cette fille... Regarde-moi très bien, je ressemble à quelqu'un qui a de l'argent. Regarde bien, je ressemble à quelqu'un qui a de l'argent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je baille depuis le matin. En cherchant quelque chose à manger. Alors fais quelque chose, hein? Ne sais-tu pas que c'est toi qui es censé te battre pour nous? Je veux que tes cadets meurent. Me battre pour vous? Comment pourrais-je si je ne peux prendre soin de moi? Si je pouvais prendre soin de moi, j'aurais mangé depuis le matin. Mais attends,
Béret m'a dit que quelqu'un vous a donné de l'argent. Et je me précipitais pour rentrer et manger. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu l'argent. Hey. Une bande de garçons m'a interpellé pour la vente de l'eau pure. Après avoir vendu, je n'ai pu retrouver l'argent. Oh mon Dieu, cette fille. Une bande de garçons? Mais ils ont volé ton argent. Ils ont volé ton argent, c'est tout. C'est pour cela que je te demande toujours d'être éveillé comme ton frère. Il faut connaître les réalités de la rue et toi t'es là à te morfondre pour rien. Ils ont volé ton argent et y a rien qu'on puisse faire parce que y a pas d'explication à ça, l'argent est parti. De toutes les façons, le truc est que nous allons nous débrouiller. On ne va pas mourir, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, continuons dans cette lancée. C'est ce que tu dis. Mais y a rien que je puisse faire. Qu'est-ce que je dois faire? Petit frère, du courage. Dieu nous viendra en aide. Du courage. Ça va. Tout ira bien, ok? Laisse-moi aller voir maman à l'intérieur, d'accord? Je reviens tout de suite. Bébé, arrête. Arrête quoi? Arrête. Mais quoi? Arrête. Quelqu'un pourrait venir nous voir ici. Personne ne viendra. Est-ce que tu as vu quelqu'un ici? Viens. Mais arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Quelqu'un pourrait venir à l'instant. Arrête. Mais qui viendra? Il n'y a personne par ici. Nous sommes seuls. Mais, ok. Allons dans la brosse. Allons dans la brosse pour... Arrête. Comment peux-tu dire qu'on aille dans la brosse? Donc, attends un instant. Tu penses vraiment que je suis l'une de ces filles inutiles de ce village? Tu penses que je suis une villageoise? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu as envie de moi, alors pense à un meilleur endroit. Pas de m'emmener dans la brousse, jamais. Personne ne nous verra, c'est juste la brousse, mais... Tu sais quoi? Allons chez moi. Oui, allons chez ta moi. Ta maison. Ouais. Tu sais que ta mère ne sort jamais de la maison. Ah, c'est moi qui te demande de venir chez moi. Allons d'abord et tu verras ce qui va se passer. Allons-y, allons-y. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Allons à l'intérieur. Ta mère. Ta mère pourrait être à l'intérieur. Ma mère? Oh, oui. Cette fille. J'ai peur. T'as oublié que ma mère est aveugle? Elle ne pourra pas nous voir. Écoute, entrons tranquillement dans la maison et faisons-le tranquillement. Très doucement, tu comprends? Allons-y, retire tes babouches. Qui est devant la porte? Chioma, Obina, Izuna. Qui est dans ma maison? J'entends du bruit. Qui est là? J'envoie le tonnerre sur toute personne qui est là. Qui êtes-vous? Allez-vous-en. Qui est devant la porte? Qui touche ma porte? Qui est là? Hein? Hey! Même si c'est un esprit. Chioma. Mais c'est quoi ça encore? Cette femme est méchante. J'étais pourtant avertie, mais tu as refusé de m'écouter. Regarde-moi cette fille. N'est-ce pas nous deux qu'elle a fouetté? Tu devrais être contente que tu n'aies pas brisé les os. J'ignorais que cette femme était devenue si forte. Regarde comme elle nous fouettait. Ah! Oh mon Dieu. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'étais d'abord suivie dans cet endroit.
espèce d'idiot. Tu veux que ta mère me tue parce que tu as envie? Envie de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a tué qui? Demande à ton imbécile de frère. N'importe quoi. Azuka. Qu'est-ce que t'as fait? Et toi? Faut même pas commencer. Non, je ne veux même pas entendre ta voix. Fous le camp, disparais. Maman a fini avec sa part et c'est ton tour? Non, va-t'en, va-t'en. Attends. Ne me dis pas que t'as amené Béré ici pour faire du n'importe quoi. Et puis quoi? N'est-ce pas ma maison? Je suis ton frère aîné. Voici ta maison. Va-t'en. Je suis épuisée. Bouge d'ici. J'en ai vraiment marre de toutes ces bêtises. Ça en est trop. Aïe. Pourquoi vous me faites ça? Juste une petite chose que je veux faire. Juste m'amuser. Vous n'arrêtez jamais de tout gâcher. Bande rabat-joie. C'est quoi cette maison? Ah. Ah, Obina, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Grande sœur, je n'ai rien mangé depuis le matin. J'ai très faim et mon estomac me fait très mal. Ok, désolée, je comprends. Tu sais quoi? T'inquiète pas, je reviens. Ne pleure plus. Hmm? D'accord. Ok, je reviens. Cette vie. Il n'y a même pas un seau dans cette maison. Et tout le monde a faim. La plupart de mes amis sont dans des affaires louches. Devrais-je les suivre? Dieu, êtes-vous toujours là-haut? Je ne peux pas croiser les bras et regarder mon frère mourir. Je dois faire quelque chose. Thank you.
Grande sœur. Doucement, vas-y doucement. Dieu a entendu nos prières. Tu sais, quand je suis allée au marché pour demander de l'argent, une femme m'a demandé de nettoyer sa boutique. Donc, après l'avoir nettoyée, elle m'a donné 200 naira. J'ai acheté ces choses et il me reste 50 naira. Ouais, merci Seigneur. Je vais manger aujourd'hui. Oui, laisse-moi aller chercher aujourd'hui. Le plat et de l'eau. Tiens, garde ça pour moi. Azuka, tu manges du riz? Non, je mange des noisettes. Azuka, personne n'a mangé dans cette maison depuis le matin. Mais t'es là à te régaler. Où est passée ta conscience? Laisse-moi te dire. Ma conscience, c'est de m'assurer que je sois d'abord en vie, avant de regarder aux autres personnes. Ah! Ne me dérange pas si je meurs, si... Que gagnerais-tu? Écoute, laisse-moi, laisse que cette nourriture se loge bien dans mon estomac. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Alors, mangeons. Nous n'allons pas finir le sucre, hein. Le tapioca également. Donc, on fait juste ce qu'on mange, le reste on garde pour la nuit. Pourquoi es-tu si pressé? Tu penses que ça va fuir? Alors, nous faisons ceci maintenant. Le reste, c'est pour le soir, ok? Oui, grande sœur. Allez, prie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, purifie et bénis cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ma tendre, aimante, belle et tendre. Petite sœur. Ah, pourquoi regarde-toi. Toutes ces louanges et toutes ces joies. En fait, je veux juste te féliciter d'avoir été une sœur intelligente et travailleuse. T'es vraiment unique, honnêtement. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi t'es si heureux. T'en fais pas. Quand on sera à la maison, il y a une nouvelle que je vais annoncer. À toi et à tout le monde, et qui fera boum et qui changera nos vies. J'ai hâte de l'entendre. T'en fais pas, vas-y. Du courage, hein. Ma tendre sœur, la meilleure belle-fille. Maman? Obi, je dois encore avancer. Obi. Maman, tu peux t'asseoir? Je peux m'asseoir? Hey, merci mon fils. Hey, garçon, est-ce que tu vas bien? Oui, maman. Maman. Hein? Tim? Hein?
Maman, l'endroit où je suis allée chercher de l'eau est très loin. Mais qu'en est-il de l'autre endroit qui est plus proche? N'ont-ils pas de l'eau? Ils en ont, mais j'y vais quand on a quelque chose à acheter chez eux. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, ok? Au moins, nous avons un peu d'eau dans la maison, ça nous aidera. Maman, j'ai vu Asuka. Il était tellement content. Il a dit qu'il avait une bonne nouvelle à nous annoncer quand il rentrera. Asuka a une bonne nouvelle? Ah, qui sait? Peut-être que le Dieu Tout-Puissant a entendu mes prières et l'a transformé en un homme bon. Maman, hein? Le voilà. Oh, il est là, Azu. Maman? Hein? Bonsoir, maman. Oh. Sage-fille. Bienvenue. Hey. Dieu, il est grand. Hein? Oui, il est vraiment. Hein? Bienvenue. Bien. Maman? Maman? Oui? Tiens-moi. Petit frère, ce que je suis sur le point de vous dire maintenant est une très grande nouvelle. Hein? Dieu a finalement entendu nos prières. Hey! Dieu a finalement répondu, tous nos problèmes sont terminés, nous avons réussi. Nous avons percé dans cette famille. Hein? Demandez-moi comment. Pourquoi devons-nous te demander comment? Tu as commencé l'histoire, alors termine-la. Nous sommes tout tuits. Nous t'écoutons. Je suis entré en contact avec un homme. Un homme très riche. Il est l'un des hommes les plus riches de toute cette communauté. Il a dit qu'il va tous changer nos vies. Qu'il nous amènera à l'étranger. Asuka, tu n'es pas sérieux, hein? Juste comme ça? Comment peux-tu blaguer avec des choses pareilles? Mais... c'est une blague. Mais qu'est-ce que cette fille raconte? Juste comme ça, il a dit qu'il le fera. Si je blague, que je meurs. Ouais, il a dit que si nous acceptons ce qu'il veut, qu'il viendra la semaine prochaine. Je le sais. Et bam, tout changera. Alors, dis-moi ce qu'il demande. C'est simple. Ce qu'il veut est très simple. Très simple. Oui. Il a dit qu'il veut prendre Shioma. Tu sais que Shioma est une belle fille. Il a dit qu'il veut prendre Shioma comme sa septième femme. Maman, t'en fais pas, il n'est pas si vieux. Pas du tout, il n'a que 68 ans. Et il n'a même pas 70 ans. Tu il est encore très solide. Tu vois, Asuka, mon fils, ah, où es-tu? Oh, oui, maman. Espèce d'idiot. Maman, pourquoi tu me frappes de la sorte? Viens ici. Maman, tu peux croire à ça? Où est-il? Maman, où est-il? Tu me frappes? Ça va, maman. Parce que je veux vous aider. Son musique. Où est-ce qu'il est passé? Je vais te tuer. Les gens diront que j'ai tué mon propre fils. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu verras. Vous aimez cette pauvreté, ouais. Vous l'aimez bien. Vous vous regardez dans cette pauvreté. C'est une femme folle, je te le dis. Votre pauvreté, c'est quoi ça? Je te l'ai dit, rien de bon ne peut sortir de ce garçon. Où est-il? Je ne sais même pas d'où il sort, cet enfant. Tu vas me sentir, espèce de raté. Reviens ici, que je te montre. N'importe quoi. Rien de bon, vraiment rien de bon ne peut sortir de cet enfant. Nous utiliserons ça. Ça s'est cassé, n'est-ce pas? C'est pas grave. Je vais continuer à briser ça sur sa tête. Doser ça sur sa tête. Maman. N'importe quoi. Où est-il passé? Maman, ça va, il est parti. Voleur. Stupide garçon. C'est pas vrai. Il veut que j'épouse ce vieillard? Rien de bon ne peut. Je te l'ai dit. Moi? Que rien de bon ne peut sortir de ce garçon. Je l'ai dit. Je le sais très bien. Ça va, maman. C'est bon. C'est bon. Il y a toujours un truc que tu mentionnes pendant la prière. Ah, Obina. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as entendu? Maman. Hein? Tu parles toujours du grand frère, Asuka. Et tu n'arrêtes pas de mentionner notre situation, pas vrai? Obina, mon fils. Tu vois la prière que nous avons faite ce matin. Demandant à Dieu de bénir notre famille, de nous protéger,
de nous accorder les moyens et nous faire sortir définitivement de la pauvreté. C'est la meilleure prière qu'une famille puisse faire. Et tu vois, en ce qui concerne ton frère, hein, laissons Dieu agir dans sa vie. Dieu a commencé à agir dans sa vie. Et tu sais, lorsque Dieu va toucher Azoka, crois-moi, il deviendra automatiquement responsable. Ne te dérange même pas pour lui, Dieu est au contrôle. Mais maman, hein? Pourquoi ne se joint-il jamais à nous pour prier? Ah mon fils chéri, tu vois, ce que tu as constaté là, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas encore touché sa vie. Lorsque Dieu touchera sa vie, tu vois, il y aura un grand changement. Il commencera à faire de bonnes choses. Ok? Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. La vie d'Azuka est entre les mains de Dieu. Hein? Dieu prend soin de lui. Ok? Ok, tu as compris. Mais est-ce que tu vas bien? Mon fils, tu vas bien? Tu sais quoi, maman? Je ne vais pas bien parce que j'ai très faim. Je sais que c'est lorsque tu as faim que tu ramènes les choses du passé au présent. Je sais, mon fils. Ti, okay, maman, va lui chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Trouve-lui maman, quelque chose. Il n'y a que de la bouillie. Mon chéri, tu veux la bouillie? Ouais, ouais. Ok, apporte-lui la il bouillie. Il va d'abord falloir que j'aille acheter du pain. Tu essayes de compliquer les choses pour le décourager, hein? Comme s'il n'aimait pas du pain. Si je l'apporte là maintenant, est-ce qu'il dira le contraire? Tu apportes la bouillie comme ça. Tu veux la bouillie comme ça, n'est-ce pas? Oui, maman. Il ne faut pas que je vienne avec et après vous me racontez autre Choma, chose. Apporte seulement la bouillie comme ça. Ah, Choma. Obi. Azuka, en fait, je te cherchais. S'il te plaît, si t'as un peu d'argent, s'il te plaît, prête-le-moi. Comme ça, on pourra chercher de quoi manger, même si ce n'est que pour boire du tapioca. Depuis quand est-ce que j'ai commencé à dépenser pour cette famille? Et quand est-ce que c'est devenu mon travail de vous nourrir? Je comprends pas. Shioma, laisse ma misérable vie tranquille. S'il te plaît, j'ai des choses qui me dérangent, donc laisse-moi tranquille. Va-t'en. Mais je t'ai pas traité d'inutile. Hein? Je t'ai vu compter l'argent hier soir, donc je sais que t'as de l'argent. Même si ce n'est que 100 naira. Donc, ce que tu fais maintenant, c'est m'espionner. Tu m'espionnes en train de compter de l'argent. N'est-ce pas? Tu ne m'as pas traité d'inutile, mais dès lors que maman le fait, boum, tu la soutiens. Est-ce que je mens? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Shioma, vas-y, disparais! J'ai pas d'argent. Mec, je ne comprends pas cette vie. Je sais qu'il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un comme moi. Donc, je ferais mieux de profiter de mon choix et de mon état actuel pour essayer de me détendre. Mais c'est quoi toute cette histoire? Pardon, à chaque fois que je verrai la nourriture, je mangerai. Si je vois une meuf, je la mange aussi et j'y suis ma bouche s'il n'y a rien de spécial. Je suis épuisé. Dieu sait que j'ai fait de mon mieux. Mais rien, à quel genre d'avenir je m'attends dans ce genre de cadre familial? Regardez comme tout le monde est. Rien ne marche. Rien. Les riches n'ont de temps que pour eux. Mais les pauvres s'appauvrissent. Et puis merde. Dieu sait que j'ai fait de mon mieux. Je ne peux pas me tuer à la tâche. Et merde. Mais c'est quoi
toutes ces souffrances. Bonjour. À te voir courir aussi vite, qu'est-ce qui se passe? Eh, je dois aller vendre cette eau. Comme ça, on pourra avoir de quoi manger cette nuit. Il n'y a rien à la maison. D'accord, c'est bon. Mais comment va ton frère? Oh, il ne se sent pas très bien, donc je l'ai laissé avec ma mère. D'accord, mais en fait, je parlais d'Azuka. Oh, celui-là. C'est moi qui devrais te poser des questions sur lui. Il est sorti très tôt ce matin. Oh, s'il te plaît, je ne veux pas parler de lui. Je dois y aller. Ah, d'accord. Bye. D'accord, prends soin de toi. Bye. N'est-ce pas le plateau des bérets avec les arachides des dents? Mais oui! Ah, mais comment peut-elle garder ses arachides dans un endroit pareil? Héberé, t'es là? Héberé! Héberé, que fais-tu ici? Ah. Toi, Azuka. Ah. Héberé. Obina, que veux-tu que je fasse maintenant? Obina, rien t'arrivera, ok? Rien t'arrivera, reste calme, reste avec moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais maintenant? T'inquiète pas, rien t'arrivera, ok? T'es un enfant de Dieu, tu es en contrôle. Oh non, qu'est-ce que je fais? Oh, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Tu veux boire de l'eau? Tu ne veux pas? Oh non, Obina, que veux-tu que je fasse? Et Dieu, s'il te plaît, ne fais pas ça, Obina, ne me fais pas ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Obina, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, arrête, Obina, arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça, ok? Ça va, s'il te plaît. Obina, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Tu sais quoi? Je reviens. Je vais chercher un truc. Reste calme. Reste juste calme pour moi, ok? Je reviens. Tu sais, je t'aime très fort. Je vais chercher un truc. Je vais chercher les médicaments pour toi. Je reviens. Seigneur, c'est ainsi que je paîtrai mon frère
Je croyais que vous avez dit que vous êtes là pour les faibles, les fatigués et les chargés. Dieu, s'il vous plaît, je ne veux pas que mon frère meure. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez dit que si nous venons vers vous, vous nous donneriez du repos. S'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît. Béré, c'est vraiment toi? Oui, Chioma. Et Béré, où as-tu eu de l'argent pour acheter toutes ces choses coûteuses? Merci, tu es surprise? Je suis surprise. De toute façon, tu pensais que je n'allais jamais évoluer, n'est-ce pas? Eh bien, flash info, ça c'est juste le début de nouvelles choses à venir. Tu te rappelles de cette femme? La femme qu'on a rencontrée l'autre fois. Celle avec la grosse bagnole. Oui, qu'en est-il d'elle? Tu sais, je l'ai encore rencontrée. Et elle est en train de complètement changer ma vie. Attends. Ma chère. Oui, je suis officiellement une grande fille. Ébéré. Mais cette femme est engagée dans des affaires de prostitution. Prostitution comment? Eh bien... Peu importe comment tu l'appelles, c'est ce que ça veut dire pour toi. En ce qui me concerne, moi, j'appelle cela débrouillardise. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ignores. Très bientôt, je veux dire vraiment très bientôt, je vais me rendre à Dubaï avec un nouveau groupe de filles. Eh bien, reste là si tu ne veux pas sortir ta famille de cette pauvreté. Ça te regarde. Jamais de la vie. Pas de cette façon. Je n'ai jamais eu cette conversation avec toi. Et j'espère... que Dieu ouvrira tes yeux pour te montrer qu'il n'y a rien de bon dans cette voie que tu suis. Que Dieu te garde. Oh, s'il te plaît. Arrête d'appeler Dieu n'importe comment. Ce n'est pas la même chose que je donnais à ton frère gratuitement. De toute façon, il est mieux que tu l'utilises pour me faire des millions plutôt que de le donner à ton frère gratuitement. Eh bien, je ne t'en veux pas du tout. Tu es encore jeune et innocente. Si tu veux, ne change pas d'avis. Je vais rencontrer ma patronne. Bye. Obina, Obina, ça va aller, ok? Voici tes médicaments, ça va aller maintenant, ok? Ok, essaie de te relever. Relève-toi, je bois le médicament. Vas-y, ouvre ta main. Bois, avale. Le docteur dit que tu dois mâcher ceci. C'est un peu amer, mais tu dois le faire. Prends. Okay. Ça va. Tiens, prends de l'eau. Vas-y. Tu iras bien, ok? Rien ne t'arrivera. Maintenant, couche-toi. Maman, désolé. Maman, tu iras bien. Qu'est-ce que je vais faire exactement au marché pendant que ma mère est malade et qu'elle a du mal à se lever? Dois-je aller vendre de l'eau pure? Combien de paquets vais-je vendre afin de gagner assez d'argent pour lui acheter les remèdes? Maman, nous n'allons pas te perdre comme nous avons perdu papa. En aucun cas. Je dois faire ce qu'il faut. Je dois le faire. Maman, ne t'en fais pas, ok? Je reviens. Ok.
Obina. Maman? C'est toi? Non, maman, c'est Chioma. Chioma, je pensais qu'elle est partie. Elle est encore là? Oui, maman. Elle ramasse quelques habits. Non. Non, les vêtements. Je n'aime pas du tout ça. Hein, tu? Chioma? Chioma, ma fille. Ébéré, oh, désolée de t'avoir fait attendre. Voici les habits. Voilà les habits. Laisse-moi regarder. Tu peux les regarder. Je sais que j'ai pas de beaux vêtements, mais voilà mes meilleurs vêtements. Je les porte à des occasions spéciales. Vraiment? Oui. Si ce sont tes meilleurs vêtements, alors je m'évanouirai quand je verrai les pires. Eh bien, pourquoi parles-tu ainsi? Hein? Achète juste ces vêtements et donne-moi de l'argent. Je vais l'utiliser pour acheter les remèdes à ma mère. Chioma, écoute. Ce n'est pas comme si je ne veux pas t'aider. Et ce n'est pas comme si je ne veux pas les acheter. Mais la vérité est que j'ai dépassé ce niveau. Et comme tu peux le voir, je ne porte plus ces haillons. Tu comprends? Je suis au-dessus de ce niveau maintenant. J'ai évolué. Merci d'avoir appelé mes meilleurs vêtements des haillons. Hein? Mais je sais que c'est quelque chose que tu peux faire en tant que meilleur ami. Hein? Je veux que... Prête-moi de l'argent. Comme ça, je pourrai acheter les médicaments à ma mère. Son état est vraiment très critique. Tu sais quoi, Chioma? Écoute, je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas comme si je ne veux pas t'aider, comme je te l'ai dit. Mais la vérité est que mon argent est réservé pour quelque chose de plus important. Mais je suis sûre que tu trouveras de l'aide ailleurs, d'accord? S'il te plaît, prends bien soin de ta mère, d'accord? Elle ira bien. Ébéré, je te verrai prochainement. Pourquoi me fais-tu cela? Prends soin de toi, d'accord? Ébéré, je croyais que tu étais mon ami. Ébéré, Ébéré. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Voici la fille qui apparaît dans mes rêves. Qui es-tu? Pourquoi ne parles-tu pas? Pourquoi ne dis-tu rien? Ah, maintenant elle me demande de la suivre. Jeune fille, c'est quoi le problème? C'est mon frère. S'il vous plaît, aidez-moi.
Mon frère se sent pas bien. S'il vous plaît, je suis allée vendre avec lui. Maintenant, il est comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à l'amener à la maison. C'est une blague, là. Regarde ton frère, il est très malade. Et tu veux que je t'emmène à la maison? Je vais l'amener à l'hôpital. Non, s'il vous plaît. Pourquoi? Je n'ai pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Ah, ne t'en fais pas pour ça, je vais régler la facture. Entre. Merci. Entre. Docteur, s'il vous plaît, comment va-t-il? Il ira bien, bientôt. Dieu merci, vous êtes arrivé assez tôt. Ne t'en fais pas, il ira bien, ok? Ok. Je serai dans mon bureau. Et s'il te plaît, fais attention à ça, ok? Ok. D'accord. Tonton, merci beaucoup. Vous êtes un envoyé de Dieu. Chioma, ne t'en fais pas. Ton frère se porte déjà mieux. C'est la chose la plus importante. Ok? Vous êtes un envoyé de Dieu. Et ma famille n'oubliera jamais ce jour. Comme j'ai dit, c'est bon. Chioma, j'étais en route tout à l'heure pour l'aéroport quand je vous ai vu. Donc, je verrai le docteur très exactement à ma sortie d'ici. Cependant, tiens ceci. Ah! Et voici ma carte. N'hésite surtout pas de m'appeler au cas où tu auras besoin de quoi que ce soit. Je vais voir le docteur concernant la facture, ma sortie d'ici. Ah, tonton, merci infiniment. C'est vraiment beaucoup. Vous avez fait plus qu'assez pour nous. Mais, s'il vous plaît, ne partez pas. Restez avec nous. Vous pouvez y aller demain. Chioma, pourquoi? Est-ce que tu as peur de l'hôpital? Non, c'est que cela ne semble pas être juste. Vous pouvez toujours prendre notre vol demain matin. Restez avec nous, s'il vous plaît. Vous savez, je crois que nous ne rencontrons pas les gens par hasard. Nous nous rencontrons pour une raison. Je vais donc rester. Eh bien, je dois partir maintenant. Tu sais que la nuit tombe déjà. Hein? J'ai dormi aussi longtemps? Ouais, peut-être. Tu sais que je dois voyager demain, donc je dois emballer quelques de mes affaires. Ton frère sera libéré dans la matinée. Je ne vais pas pouvoir vous conduire. Mais rassure-toi, je vais voir le docteur. Comme ça, il trouvera un taxi qui vous ramènera. Où est-ce que vous habitez? C'est comme je vous ai dit plus tôt, au milieu de nulle part. Mais je peux vous décrire l'endroit. Vous voyez, lorsque vous arrivez à... Ne te dérange pas. Tu as toujours ma carte, n'est-ce pas? Oui. S'il te plaît, ne manque surtout pas de m'appeler. Quand je vais rentrer de mon voyage, je vais te chercher. Salut de ma part, Robina, quand il sera réveillé. Ok. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bye bye. Je n'arrive pas à croire que je ne voyage pas avec ma famille en ce moment. Qui est cette fille? Et qu'est-ce qui me fait ressentir le besoin urgent de l'aider et rester avec elle comme elle me l'a demandé? Je ne peux même pas lui dire non. C'est assez étrange. J'espère que son frère se portera bien et j'ai hâte de la revoir et en savoir plus sur elle.
cet argent? C'est où? Et qui a pris mon argent? Où est-ce que ça a bien pu aller? Moi, je l'ai mis ici. Oh non, ce n'est pas vrai. Je l'ai mise dans mon sac. Je l'ai mise dans mon sac. C'est où? Qui a pris mon argent? Maman? Maman, je ne vais pas supporter ça. Maman, la carte et l'argent que M. Sylvestre nous a donné hier, je ne les retrouve pas. Calme-toi. Est-ce que tu as regardé partout, même sous le lit? Oui, maman, j'ai fouillé partout, mais je ne les retrouve plus. J'espère que tu n'as pas dit à ton frère qu'on t'a donné de l'argent hier. Non. Non. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui dire. Maman, nous ne lui avons rien dit, mais il a vu quand le taxi est venu nous déposer. Donc, il n'est pas resté avec nous. Chioma, je l'ai vu prendre ton sac. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas que je te l'ai dit. Hein. S'il te plaît. Hey. Maman, tu vois maintenant comment Azuka peut faire une chose pareille. Où est Azuka? Est-il rentré? C'est Dieu qui punira ce garçon. Dieu va punir ce garçon. Azuka, viens là maintenant. Viens là. Quoi? Viens là. Quoi? J'ai fait une mauvaise rencontre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Où est l'argent et la carte que M. Sylvestre nous a donnée? Hein? Sors cet Regardez argent maintenant. Cette fille. Ai-je l'air d'avoir quelque chose sur moi? Azuka, remercie ton Dieu que je ne puisse pas te voir. Hein? Si je pouvais te voir, j'allais t'écorcher vif. Respecte-toi et donne-lui son argent. Te voilà qui cherche les problèmes. Mais c'est quoi cette histoire? Azuka, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Ok, tu sais quoi? Ne pleure plus. J'ai vu ton argent. Je savais. Ouais, je l'ai vu. Et je l'ai pris pour régler les dettes dehors. Avant que les gens ne viennent nous mettre la honte à cause de l'argent. J'ai rien fait de mal. Tu vas maintenant. Tu n'as rien fait de mal. Cet argent t'appartenait. C'est ton argent? Mais calme-toi. Pourquoi est-ce qu'elle doit se calmer? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Ok, Azuka, attends. Même si t'as pris l'argent, où est la carte? Je viens de te dire que j'ai fait une mauvaise rencontre. Certains malfrats m'ont agressé et m'ont fait la peau. Ils ont tout pris, j'ai plus vraiment rien dans les poches. Même le plastique, tout est parti. Oh, maman, vraiment, tu vas maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-il? Je voulais. Je te punirai. J'ai pris cet argent pour régler les dettes. Comme ça, rien ne nous arrivera. Dieu te punira. Regardez-le. Voleur, sorcier. Sorcier. Rien de bon ne peut jamais sortir de lui. Regardez-le. Sorcier. Regardez-le, voleur. Non, maman, non. Chioma, ça va. Chioma, calme-toi. Ne t'occupe pas de ce garçon stupide. C'est pas grave. Eh Dieu, pourquoi tu me punis comme ça? Maman? Oui, mon fils. J'espère que les médicaments ont eu un effet véritablement positif sur toi. Oui. Si ce n'était pas positif, est-ce que j'allais pouvoir me tenir sur mes deux pieds? Ceci prouve que les médicaments sont efficaces. Merci beaucoup. Pas de quoi, maman. Maman, honnêtement, Dieu t'a béni avec des enfants merveilleux. Mon fils. Ces enfants sont ma source de joie et je remercie Dieu tous les jours pour eux. Merci Seigneur. Mais maman, j'ai constaté que quelque chose ne va pas quelque part. Pourquoi ne sont-ils pas à l'école? Personne ne se soucie d'aider. N'ont-ils pas de la famille? Mon fils, c'est une très longue histoire. Tu vois, fils, je suis sur le point de te confier ce que je n'ai jamais confié à personne. Je n'ai jamais parlé de ça, même avec mes enfants. Mais quelque chose en moi me dit que
Que tu es un homme bon. Je ne pouvais en parler à personne parce que je ne sais pas qui est qui. Tu vois mon fils? Après la mort de mon mari, dont je sais que c'est son frère qui est le responsable, les choses ont changé. Parce que je ne pouvais rien prouver. C'était sa parole contre la mienne. Je ne pouvais gagner contre lui. Parce que il était un membre du cabinet du roi. Donc, quoi que je disais, je n'étais pas écoutée. Donc, après ça, le frère de mon mari voulait tout ce que mon mari avait laissé. Pour le bien de mes enfants, je me suis enfuie. J'ai laissé tout ce que mon mari a durement travaillé pendant toutes ces années à cause de mes enfants. J'ai déménagé avec mes enfants en ville parce que je savais qu'une fois que le frère de mon mari aurait fini avec les biens, sa prochaine cible serait mes enfants. C'est ainsi que je les ai emmenés en ville. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Je n'ai pas pu me défendre. Qui suis-je pour combattre quelqu'un qui appartient au cabinet du roi? J'ai tout remis ça à Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui combat pour les justes. J'ai laissé ça à Dieu. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Je lui ai tout laissé. Je suis vraiment désolé, maman. C'est pas grave. Vraiment désolé. Dieu merci que vous avez remis tout entre ses mains. Il a le dernier mot. Merci. Mais maman, une fois de plus, qu'est-ce qui est arrivé à ta vue? Et j'ai constaté qu'Obina est infirme. Pourquoi? Quand nous sommes arrivés en ville, fiston, j'ai constaté que plusieurs choses ont commencé à arriver. Des choses que je ne pouvais expliquer en tant qu'être humain. Tout d'abord, mon fils a été renversé par un taxi. Il est devenu infirme suite à cet accident. J'étais dans ma cuisine quand la flamme du fourneau est entrée dans mes yeux. Je suis devenu aveugle. Dois-je parler de mon premier fils? Il ne rend pas les choses faciles. Je ne sais pas si je devrais appeler ça manipulation spirituelle. Beaucoup de choses sont arrivées à mon fils. J'ai tout remis à Dieu parce que ça pourrait être de la manipulation. Ça va aller, maman. Assez de cette histoire. La bonne nouvelle, c'est que je suis ici maintenant. D'abord, je dois vous trouver une nouvelle maison. Vous devez sortir d'ici. Et je vais faire appel à un médecin pour examiner ton problème oculaire. Même la colonne vertébrale d'Obina doit être vérifiée. Même s'il faudra vous amener tous les deux à l'étranger, fiston, je peux le faire. S'il te plaît, j'ai un cœur fragile. Ne dis pas des choses qui vont me causer un infarctus. Je ne sais pas ce que tu dis. Es-tu sérieux? Merci, merci. Un appartement, merci. Es-tu... Maman, es-tu je t'en sérieux? Prie. Hey,
Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu es sérieux? Dis-moi que tu ne blagues pas, hein, mon enfant. Maman. Hein? Maman. Hein? Ce n'est pas une blague. C'est la même question que je me suis posée quand ta fille m'a sauvé la vie. Fils. Maman. J'ai une question, si ça ne te dérange pas. Je veux juste savoir, hein? Qu'est-ce que ma fille a fait pour toi exactement la dernière fois? Maman, s'il te plaît, c'est une longue histoire. Mais laissons cette histoire là où elle est pour un autre jour. S'il te plaît. Mais le truc est que ta fille m'a sauvé la vie. Je ne peux pas la remercier assez, je ne peux pas. Mon fils. Maman. Où est ta main? La voici. Tu sais, mon Dieu te bénira. Amen. Parce que tu as aidé une femme aveugle. Mon Dieu te bénira, toi et ta famille. Amen. Merci beaucoup, oh. Mm-hmm. Merci beaucoup, merci, oh. Merci. Merci, maman. Hey. Maman, c'est bon. Merci. C'est bon. Aïe. Maman, je te comprends. C'est bon. Ah. Je vais m'évanouir. Mais non, maman. Bien. Alors, comme tu vois, bienvenue chez moi. Pourquoi est-ce que tu regardes partout comme ça? Cette maison est vraiment digne d'un palais. Chioma, tu es vraiment très drôle. Il y a de plus belles maisons dans cette ville. Pendant ce temps, détends-toi. Je vais te chercher quelque chose. Eh bien, chérie. Merci, mon cœur. Est-ce que tout est prêt? Souris, Angèle, viens là. Andy. Je sais que tu es contente. Viens, ok, je vais vous accompagner jusqu'au portail. Souris. Maman, est-ce que papa ne vient plus avec nous? Oui, mon cœur. Il a eu quelque chose d'urgent à faire, ok? C'est juste toi et moi, hein? Il nous rejoindra demain. D'accord? D'accord. Tu vas bien? T'es sûre? Mm-hmm. Allez, dépêche-toi, d'accord? Je ne sais pas si elles ont déjà atterri.
Quoi? Quoi? Non! Il est quelle heure? Ça ne peut vraiment pas être possible! Ma femme et ma fille... Non! Je vais appeler son numéro. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Je vais appeler son numéro. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Non. Shoma! Reviens! Shoma! J'ai tellement peur. Pourquoi est-ce que je la voyais tous ces temps? Comment se fait-il qu'elle soit morte le tout premier jour de notre rencontre? Hein? Shioma, calme-toi. Honnêtement, je n'ai vraiment pas les esprits clairs actuellement. Mais je sais qu'il doit y avoir une explication à cela. Ah, ok. Regarde le bon côté de tout ceci. Si tu ne l'avais pas suivi au supermarché ce jour, on ne se serait jamais rencontrés. Pense juste à ça. Mais pour l'instant, je veux juste que tu te calmes. Ressaisis-toi. Je ne comprends rien moi-même. Calme-toi juste, calme-toi. Tout ira bien. Tu vois, Azuka, je ne te connais peut-être pas très bien. Ou les difficultés que ta famille et toi vous avez surmontées. Mais je sais que chaque homme veut le meilleur pour lui-même. Tout le monde se bat pour réussir dans la vie. Azuka, je veux te poser une question. Es-tu déjà prêt à te rendre utile? Ou vais-je gaspiller mon argent si jamais je décidais de t'aider? Monsieur, pour être honnête avec vous, je n'ai pas toujours été comme ça. Monsieur, j'étais un bon garçon. Juste que les choses ont commencé à s'empirer pour ma famille. Les choses allaient toujours de mal en pire, de mal en pire. C'est pour cela que j'ai adopté ce style de vie. Je n'ai pas toujours été comme ça. Monsieur, s'il vous plaît. Azuka, ce n'est pas assez de raisons pour causer autant de dégâts. Pour l'amour de Dieu, tu es le premier fils de ta famille. Tout le monde compte sur toi. Pas pour remuer le couteau dans la plaie. Azuka, au moment où je te parle maintenant, ton visa pour voyager pour le Canada, pour vivre et travailler au Canada est prêt. Mais... Merci tu beaucoup. Dois changer. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment reconnaissant. Je me marche, monsieur. Non, merci, non, merci, non. Merci, monsieur. Non. Vraiment, merci. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, c'est monsieur. Bon. Au moment où je suis en train de te parler, ta mère, elle est en soins intensifs. Et ton frère subit une opération de la colonne vertébrale. Wow. Donc, dès que les choses seront faites, tu pourras voyager. Waouh. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un envoyé de Dieu. Merci, je ne peux pas vous remercier assez. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de quoi. Mais promets-moi que tu vas tout faire pour rendre ta famille fière. Je vous le promets. Tu le promets? Je vous le promets, monsieur. Ok. Sois un bon garçon. Merci beaucoup. Je te verrai plus tard. Shioma? Waouh! Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Tu es vraiment ravissante. Merci.
De toutes les façons, j'ai une surprise pour toi. Ah, tonton, qu'est-ce que c'est encore? Tu me gâtes déjà beaucoup trop. Shiuma, honnêtement, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Tu vas aimer. Okay, je te promets. J'ai hâte. Voilà ta surprise. Ouais. C'est bon. Merci. Waouh. Non, c'est manqué, grande sœur. Grande sœur, je t'aime. Je t'aime aussi. Je sais. Je t'aime aussi. Allons-y. Allons. Je vous aurais bien demandé de ramasser toutes vos affaires là-dedans, mais vous n'en aurez pas besoin. J'ai trouvé un nouvel appartement pour vous. Appartement? Oui. Donc, attendez. Vous voulez dire qu'on ne va plus habiter ici? Non, pas du tout. Non. Un nouvel endroit. Attendez, tonton, ouais. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux qu'on ne va plus habiter dans cette on maison? On n'habitera plus. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est rien. C'est rien. On y va? Allons-y.